le crime et le châtiment. C'est quand votre esprit erre au gré du vent que vous, seul et imprudent, causez préjudice à autrui et par conséquent vous-même. Et pour ce préjudice, vous devez frapper et attendre dans le dédain à la porte des élus. Souvent, je vous ai entendu parler de celui qui a commis une faute comme s'il n'était pas l'un de vous, mais un étranger parmi vous et un intrus dans votre monde. Mais je vous le dis, de même que le saint et le juste ne peuvent s'élever au-dessus de ce qu'il y a de plus élevé en chacun d'entre nous, de même le malin et le faible ne peuvent sombrer aussi bas que ce qu'il y a aussi en nous de plus vil. Si l'un de vous punit au nom de la droiture et plante sa hache dans l'arbre tordu, qu'il en regarde les racines. Et en vérité, il trouvera les racines du bien et du mal. Du fécond et du stérile. Entremêlés ensemble dans le cœur silencieux de la terre.